Bonjour à tous, c'est Willy Jumeau et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Voilà. Alors donc, pour les commentaires, on va commencer par ça. Alors déjà, je tiens à remercier Nakeol, donc c'est son pseudo Steam, qui m'a fait la belle image, qui est désormais l'image de mon profil YouTube. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon image a changé. C'est simple, mais c'est discret. C'est à la fois simple et simpliste. Enfin voilà, c'est simple en fait. J'aime bien. Sincèrement, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc voilà, ceci étant dit, un commentaire qui m'a dit « J'ai adoré le cri de tapette que tu nous as sorti ». Alors non, à l'épisode précédent j'entends non, ce n'était pas un cri de tapette, c'était un cri viril et viril. Voilà, c'est tout, merde, je vous autorise pas à en douter, merde quoi. Non, alors un autre commentaire qui m'a dit « Ouais Willy, étant donné que le voxel il est remis à zéro, tu pourrais aussi bien creuser dans la roche pour émettre des convoyeurs, comme ça quand le voxel sera remis à zéro, et bah au moins tous les convoyeurs seraient à l'abri, et tu pourras même faire ça pour tes réacteurs nucléaires et tout. » Je pourrais, mais j'assimile ça à de la triche. J'assimile ça à de la triche, peut-être que je le ferai, mais pour ma part j'assimile ça à de la triche parce que du fait que Space Engineer est mal optimisé, Ashram, le gérant du serveur, est obligé de tout le temps le remettre à niveau, donc c'est-à-dire de remettre le voxel à zéro, supprimer toutes les entités présentes sur le serveur et patati patata, enfin toutes les entités qui sont pas utilisées j'entends. Donc patati patata, et bah du fait de ça, je trouve ça un peu cheaté. De s'autoriser de mettre des convoyeurs ou des réacteurs nucléaires dans la roche, et que ça puisse être protégé par la roche. C'est pas censé être comme ça au départ, donc je trouve ça un peu pas naturel. Mais bon, peut-être que je le ferai, j'en sais rien. Et donc un autre commentaire qui me dit, alors oui, pour le projecteur, je pourrais aller dans les options. Voilà, ton jeu est diminué le UI background opacity ou le UI opacity, je sais pas. L'un comme l'autre, vous pouvez voir ce que ça fait. Hop, ça fait ça. Mais ça, moi, ça m'emmerde parce qu'à chaque fois, je suis obligé de le remettre comme ça. Donc, je préfère encore me faire chier avec les projecteurs, mais laisser ça comme ça. De toute façon, en système de projection, il est mal fait. Faudra bien qu'il le refasse un jour. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'en dis, tout le monde. Eh bien, chers amis, donc après cette interlude qui n'en est pas vraiment une, en fait, j'ai tourné le début de l'épisode et en fait, j'ai fait un épisode complet. Hein, sauf que je voulais faire quelque chose qui s'est assez mal passé à mon goût. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est simplement que je voulais essayer de me faire un ascenseur. Je voulais essayer de me faire un ascenseur dans ma petite base qui est là, donc que vous voyez. Hop. Le problème étant que... ah merde, bah du coup j'ai rebouché le trou. Bah, bravo, Willy. Bref. Hop, vous allez pouvoir voir les vestiges. Hop. Voilà, le problème étant donc que j'ai mis un grand piston ici, que j'ai essayé d'y mettre un moteur par-dessus, et donc que j'ai mis des petits blocs. Le problème étant que le jeu étant absolument bugué de la mort, quand le moteur doit passer par là... Quoi? Pourquoi tout le monde fait une descente d'organes? Quand ça parle de croiser un autre joueur sur le ciel. Quoi? Oula, là, je comprends pas. Là. Je comprends pas tout là. Donc là, le moteur est censé parfaitement passer. Hein. Si jamais on le pose, vous pouvez voir que. Si jamais j'arrive à le mettre droit, voilà. Là, vous voyez que je peux le poser sans problème. Donc, dans la logique, un piston qui est là est censé pouvoir passer. Alors qu'en fait, non! En fait non, comme vous pouvez le voir actuellement, ça pète absolument tout. C'est ridicule. Je me suis fait baiser 4 ou 5 fois comme ça. Alors à un moment, je dis merde, j'ai prévu de faire autre chose. Faire autre chose, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les composants qu'il faut. Hein, parce qu'à l'origine, j'aurais dû vous mettre l'autre épisode, donc celui que je vous montrerai pas pour le coup. Celui où j'ai tourné le début, où j'ai fait l'ellipse, et donc là où on est dans cet épisode-là. Mais l'épisode était vraiment à chier. Était vraiment à chier, et je me voyais mal vous mettre ça. Voilà. J'ai causé avec d'autres du serveur. Et je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bref, plaque d'acier, donc il m'en faut 15, bon ça j'ai ce qu'il faut pour le coup. Deux ordinateurs, quatre moteurs. Alors, tatatat, deux ordinateurs, quatre moteurs, des composants de construction, on va en prendre une vingtaine. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah, je sais pas ce qu'il faut d'autre. Dès que tu demandes si tu peux faire une visite. Paf, silence. Comme si ça avait une attaque. Oui, bah, bon. Bah, en même temps, c'est pas un serveur PvE. Donc, si tu proposes à. Merde, à un autre joueur de venir. Il va avoir peur que tu l'attaques. Bah oui, bah bon, en même temps, voilà quoi, aider quand tu places. Donc, c'est malheureux, mais oui, ça je sais ce que c'est chiant. Alors donc, hop, 1122, il m'en faudra pas autant, bien loin de là. Alors, on va donc construire le moteur, en premier lieu. En premier lieu, pourquoi? Parce que le moteur nous permettra de mettre des petits pistons. Vu qu'a priori les grands sont buggés de la mort et que même dans un simple trou où normalement ils peuvent passer, bah là ils passent pas, hein. Parce que les codeurs ont fait ça comme de la merde, hein, comme d'hab. Oui je sais, je me répète avec ça. Sincèrement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas de me répéter tout le temps pour ça, mais il faut bien avouer que des fois, quand les développeurs du Space Engineer ils font de la merde. Eh bah, ils le font pas à moitié. Hein. Non, non, ils le font complètement. C'est de la merde, mais de la bonne grosse merde en boîte. Hein. C'est pas la petite merde. Non, c'est la bonne grosse. Hein. Ça, je peux te dire que. Donc, moteur, add small head. Tu fous ça comme ça. Tu fous ça comme ça. Et le moteur, tu le désactives. Comme ça, au moins, je suis certain que normalement, il tourne pas ce truc. Même si, comme je le disais lors de ma première vidéo, je suis pas vraiment certain que ce soit une ultra bonne idée de faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce petit machin-là, là, comme vous l'avez vu, des fois il a tendance à se barrer. Pour des raisons qui me sont parfaitement obscures. Donc j'espère que ça se fera pas là. Allez, bon tournage, il ne devrait pas y avoir de lag là, pas comme à 18h. Bah j'espère. Parce que bon, voilà quoi. Et au passage, j'ai oublié de mettre mon minuteur, voilà. Alors donc, on va donc essayer de faire comme si. Des petits tubes d'acier. Mais non, pas tube. On douille. Tube, ça ira. Hop, tu m'en prends une petite vingtaine. Ok. Toi. On a une dizaine qui va là, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour des petits pistons? Hop. Donc, des petits, j'ai dit, s'il te plaît. Alors. Pour des petits pistons, donc on va dire qu'il m'en faut à peu près 3. Donc, ça fait 4, 4, 4, 8, 4, 12. Donc, 12 plaques d'acier. Voilà, acier. On va dire qu'il m'en faut une trentaine à peu près. Quoi d'autre? 3 ordinateurs, 6 moteurs. Il me faut donc 3 ordinateurs, 6 moteurs. Il me faut quelque chose comme une quarantaine de petits tubes d'acier, j'ai vu ça. Bon, il m'en faut beaucoup moins en réalité, mais bon. Composants de construction, étiquette 4, 8, étiquette 12. Hop. Merde, qu'est-ce que je fais, moi? Les compos, il m'en faut 12. Hop, voilà. Alors on va voir si jamais ça suffit. Je suis pas certain, mais on verra. Hop. Alors. C'est bon, t'es mis toi, tu vois bien? Alors donc. Moi, ce que je veux, c'est me faire un ascenseur, bordel de merde. C'est comme pour la mort.
Paf, paf, paf. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Oui. Changement de couleur de merde. Alors, donc, j'en aurais besoin d'un autre, si possible. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre. Là, vous m'expliquez pourquoi le piston n'est pas de la même couleur? Putain, mais sérieusement, quoi. Ah, mais merde! Essayez là, de me faire chier un jour ou pas. Alors, bon, les pistons. Là, pour le coup, il n'y a normalement aucune crainte, et je dis bien normalement, aucune crainte qu'ils viennent toucher les parois. Si jamais là, ils touchent les parois, je vous jure que le jeu, je les désinstalle. Bon, les couilles. Alors, donc, les deux pistons. On va les inverser. Savoir si jamais ils viennent à la bonne hauteur. Oula, non, ils en sont encore extrêmement loin. Ah oui, non, c'est... Ah, c'est probant à quel point ils en sont loin. non, les pistons. Hop, hop. Ah, tu me les inverses. Là, parfait. Donc, je suppose que 3, pour le coup, ça va pas être assez. Il va falloir que j'aille en chercher un peu plus. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça, Willy? C'est totalement ridicule. Une fois que tu seras en dessous, tu n'auras pas forcément besoin d'y retourner. Oui, mais si jamais j'oublie un truc, parce que moi, je suis le genre de personne, 20 épisodes plus tard, à dire, ah oui, mais tiens, j'aurais aimé mettre ça en dessous, patati patata. Et si jamais j'ai aucun moyen de retourner et qu'il faut que je passe tout le temps le tour de l'astéroïde, ça m'emmerde. Donc, en fait, ce que j'ai prévu de faire. Ah, dégage-toi, c'est très simple. J'ai prévu de mettre tout un système en dessous, déjà, d'agrandir les sas de dépressurisation, de façon à pouvoir y mettre des aérations pour que je me fasse un petit système de dépressurisation comme j'ai l'habitude de le faire. Une fois que ceci est fait, je vais mettre plusieurs coffres ici à chaque fois, à savoir à peu près dans chaque coin. Bon, là je peux pas parce qu'il y a la salle médicale, mais sinon à peu près dans chaque coin, qui me permettra de faire, de faire des extensions et donc de pouvoir choper par en dessous tout ce que je veux. Sachant que de l'autre côté de cet astéroïde, ce sera peut-être une aire de construction. C'est-à-dire que j'y mettrai que des soudeuses, peut-être, hein, c'est pas dit encore, mais peut-être que j'y mettrai que des soudeuses et que ce sera un aire de construction. Alors ça va demander énormément de temps, énormément de ressources aussi pour faire, mais je pense que ça peut être sympa. Alors donc, les trois, là, ça suffit ou pas? Les pistons. Hop. Tu me les inverses. Est-ce que tu arrives jusqu'en haut ou est-ce qu'il en faut encore un? Il en faut a priori encore. Bon, va pour ça. Les pistons, les pistons, les pistons. Toc, toc. Tu les inverses. Là, normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, je dis ça, j'espère. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec ce foutu jeu. Hop. Ah oui, alors par contre, je tiens à vous dire, Ashram m'a donné la possibilité de redémarrer le serveur, et uniquement de le redémarrer. Donc, si jamais des fois vous avez des lags sur le serveur et que ça vous emmerde, vous n'hésitez pas à vous me contacter via mon site web. Moi, je viens, je redémarre le serveur si jamais je suis dispo, évidemment. Si je ne suis pas devant mon PC, je risque pas de le faire. Mais si jamais je suis dispo, surtout n'hésitez pas, hein. Moi, je suis totalement d'accord pour le faire. Alors, donc, plaque d'acier, j'ai ce qu'il faut, ordinateur. Tac, alors. Les ordinateurs. Ordinateurs, ils sont là. On va s'en prendre une dizaine. Ça, j'ai encore largement ce qu'il faut. Des moteurs, il m'en faut aussi. Ça, on va s'en prendre un peu plus. Ça, on va s'en prendre un peu plus. Il me faut d'autres choses? A priori, non, j'ai tout. Ok, hop. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça va, j'ai pas pris de dégâts, tout va bien. Je me demandais pas comment c'est possible, allez pas me dire que ce jeu est pas buggé. Alors, on va donc en mettre un autre. J'espère que celui-ci arrivera jusqu'en haut. On verra ça. C'est bon? C'est fait. Ok, alors, piston. Hop, ils ont tous différentes couleurs, me demandez pas pourquoi. Hop. T'arrives jusqu'en haut ou pas? A priori oui, pas vraiment quand même. Pas vraiment, mais je pense que je peux faire avec. Alors.
Ah non. Ah! Oh. Est-ce que je t'ai demandé de le mettre en dessous? Dégage-toi. T'as demandé ou pas? Ah, mais saloperie de mort! Oh. Excusez-moi, chers amis. Vous savez que je suis pas toujours à râler. Lol. Alors. Hop. Voilà, là. Je suis. Alors, peut-être pas une bonne idée d'en mettre là. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, ce que je vais faire pour diminuer encore un peu, c'est mettre ces blocs-là. Bah, pourquoi tu veux pas? Oh bah pourquoi tu veux. Oh. Oh non, bah franchement, t'es pas drôle. Alors là, tu veux bien, mais là, tu veux pas. Pour une raison qui m'est obscure, mais admettons, écoute. Oh putain. Oh, vous la sentez venir la couille là ou pas? Regardez-moi ça. Ça tremble, ça me fout les boules. Ah, je vous jure, ça me fout les boules. Je sais pas si je vais rester longtemps avec ce système, moi. Je peux vous dire que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Ah là, oh putain, ça l'a pété, je sais pas si jamais ça a été fait maintenant. Bon. Hop. On va faire ça bien quand même. Tant qu'à avoir un ascenseur, autant faire que le dessous, même si jamais on le verra jamais, autant faire que le dessous soit un tantinet classe. Hop. Et j'ai pas assez de plaques d'acier. Galère. Hop. La 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 la. Alors. Aïe. Acier. Il faut des plaques d'acier. Vas-y, tu m'en prends une centaine. Là, au moins, j'aurai de quoi faire. Bon. Alors, est-ce que mon ascenseur va marcher comme je l'entends? Parce que ça, c'est pas dit aussi. Hein. Je tente des trucs, hein. Je sais pas si jamais ça a bien marché, cela dit. Donc m'en voulez pas si jamais un jour ça déconne, ce sera pas vraiment de ma faute sur ce coup-là. J'essaie de faire tout pour que. Hein. Donc à un moment, voilà quoi. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Là. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, il en manque un. Hop. Tu te mets comme ceci, biatch. Toute façon, le dessous, ça se verra pas. Donc ça, à la limite, je m'en fous. Alors, donc. Une fois que ça c'est fait, donc ça peut normalement monter et descendre à mon gré, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais bien aimé rajouter un truc, à savoir un petit machin sur le côté là, mais ça va taper avec ça. Ça va taper ou pas? Ou pas, ou pas, ou pas. J'ai peut-être une idée. Ah, galère. Pas ça que je veux. Ça va peut-être pas taper, si jamais ça marche comme je le veux. Mais qu'est-ce que. Dégage, toi. C'est ça, moi, que je vais mettre. Hop. Ça me laisse donc un espace supplémentaire, dans la logique, j'entends, hein, ce qui me permettrait de faire quelque chose comme ceci. Hop. À peu près à hauteur d'homme. Enfin, à hauteur du perso, tout du moins. À savoir ici. Voilà. Alors ensuite, il me faudrait ceci. Hop.
que je pourrais mettre donc là. Est-ce que j'ai assez? Je sais pas. Non, il me faut un plaquage d'intérieur. C'est pas grave, ça a quand même l'air de très bien marcher. Je le rajouterai après, ça c'est pas très grave. Hop, alors. On va se créer un groupe. Ah, galère. Oh putain. Mais c'est que ça bouge à mort en fait. Sincèrement, je vous jure, j'ai pas confiance de ce truc-là. Hein. Moi j'essaie de faire un truc classe et tout, mais il y a des fois où a priori, ben. Truc classe, ben, ça suffit pas. Hein. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que. Hein, toi tu vires, je veux pas de toi. Alors. Piston. Sauvegarder. Ça, c'est bon. Toi, pourquoi est-ce que t'es pas de la même couleur? Bah enfin, je t'ai pourtant mis de la même couleur. Mais qu'est-ce que. Là, saloperie de mort. Hop. Alors donc. Groupe. Oh, je vous jure, ça fait flipper. Regardez-moi ça, comment ça bouge. Oh, je vous jure, ma parole, j'ai pas confiance. Piston. Hop. On va juste le mettre en inversé. Hop. Toi, tu viens. Donc là. Pourquoi je me suis envolé là? Tu me l'expliques? Tu me l'expliques celle-là ou pas? Ah bah pourquoi je suis pas? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Très bien, admettons. Bah merde, c'est quoi ce bordel? Ah! Ah mais non! Reste dessus, saloperie de mort! Là! Je suis dessus là, hein. On est bien d'accord. Oh la vache. Ouh là là. Et vous osez me dire que les pistons sont stables? J'y crois moyennement à ça. Hein. Regardez-moi ça. Vu comment ça tremble, sincèrement, c'est plus que moyennement, j'y crois. Je veux bien être gentil, mais il y a des jours où. Bah quand tu vois comment ça tremble, hein. Putain. Oh là là, oh là là. Ok, d'accord, c'est juste parce que je suis dessus en fait que ça tremble. C'est ridicule. Regarde-moi ça, je le fais trembler le bordel rien qu'en étant dessus. Allez, qui veut faire un peu de balançoire? Wouh! Non, casse pas tout sans déconner. Putain, c'est quoi ce bordel? Oula. Oula. Sincèrement, tu me l'expliques? Moi qui essaye de faire un ascenseur à peu près bien, à peu près stable et tout, eh ben non, même ça, il veut pas, hein. Ah ça, je suis même pas dessus, ça tremble. Hein, que le fait de le regarder. C'est terrible, ça. Hein, que le fait de regarder, il aime pas, hein. T'as comment je me le fais, moi, mon ascenseur, si jamais il n'y a rien qui veut, là, hein? Ah, c'est pas vrai, ça. Ah, oh, c'est chiant, mais non, mais merde, quoi. Je peux même pas faire ce que je veux, quoi. Regardez-moi ça, je peux me faire ce que je veux sans que ça tremble. Vous savez quoi, on va faire un truc. On va faire un truc. Je sais, c'est un peu tenter le diable. Mais à un moment, je dis merde. Groupe, piston. Je mets ici en inversé. Voilà. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu vois pas que si t'arrives? T'es devenu barge ou quoi? Dégage. Hop. Piston. Inversé. Mais il commence à me gonfler ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à moi, c'est ça? C'est pas vrai ça, ils commencent à tous me gonfler dans ce pays. Tableau de commande, il est pas à moi? Mais pourquoi il est à personne? Tu m'expliques celle-là? Oh, pas vrai ça, évidemment que ça marche pas. Ah! Je passe à côté en prime. Bravo, Willy. Et là, ça passe?
Ça, comment vous voulez faire quelque chose? Sachant que le truc. Mais regardez-moi ce bordel, quoi. Voilà, vous entendez à quel point ça choque, là? J'ai peut-être moyen d'arranger ça. Alors, je garantis pas, évidemment. C'est bon, un nez cassé? Non. J'ai peut-être moyen de faire en sorte que. Mais qu'est-ce que. Pourquoi tu t'es pas rétracté au max, toi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, ce truc à la con, là? Oula! Monsieur, peut-être falloir arrêter les conneries un jour. Hein. C'est pas vrai, ça! Mais ils sont buggés, ces conneries-là! Alors après, osez me dire que les pistons sont pas bu... Non. Non! Putain, dégage-toi. Regardez-moi ça, il s'est barré. Pourquoi les pistons sont là? Le truc, il est censé être là, bordel! Ouais, bon, bah écoute, je vais pas faire face à ces bugs bien longtemps, moi, hein. Hop, tout ça, ça vient. À un moment, je suis gentil, mais voilà, quoi. Putain, moi, pour une fois qu'il veut essayer de me faire un ascenseur classe, eh ben, je peux même pas! Putain, allez me dire qu'ils ont réglé le problème des. Ah ouais, tout qui se barre en couille. Admettons, écoutez, je suis plus à ça près maintenant. Osez me dire qu'ils ont réglé le problème des pistons sur le serveur multijoueur, hein? Lol. Rigolons 30 secondes. Rien à foutre, je suis pas les composants, je m'en bats les steaks. Ça aussi, ça vire le moteur, je m'en bats les couilles. Voilà, regarde-moi ça, il y a tout qui est en dessous, admettons. Voilà, hop, ça. Ça vire aussi, voilà. Voilà, donc j'en reviens finalement au même épisode. Hein. Même épisode de la dernière fois, à savoir que j'ai absolument rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est soldé par un putain d'échec. À un moment, je dis merde. Et après, vous me dites, ouais, Willy, tu sembles blasé du jeu. Bah ouais, bah en même temps, c'est pas étonnant. Quand tu vois que. Quand tu essaies d'avoir une once d'originalité, tu peux rien faire. À un moment, pas étonnant que les joueurs commencent à se lasser de Space Engineer. Hein. Moi aussi, Space Engineer, ça m'emmerde. Hein. Moi aussi, j'aimerais aller sur d'autres jeux. Hein. Parce que là, franchement, voilà quoi. Quand tu vois que les développeurs, ils s'acharnent même pas à faire un bon jeu. En multi, le jeu, il est très bien. En multijoueur, c'est la merde. Merde, putain, moi j'achète un joueur, un jeu pour être dans l'espace. C'est pour qu'il soit en multijoueur. Sinon, ça a aucun intérêt. Voilà quoi. Peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi de temps en temps. Non mais sérieusement, quoi. On voulait faire quoi que ce soit avec un jeu buggé pareil. Oh, je vous jure, ça commence à me saouler, moi. Oui, là, vous pouvez le dire. Oui, je suis blasé de Space Engineer. Oui, j'ai envie d'arrêter complètement Space Engineer. Ouais. Parce que la moindre originalité que je veux, je peux même pas faire un pauvre ascenseur de merde pour descendre à un étage. Je serais tout le temps obligé d'utiliser le jetpack, et ça m'emmerde. Je vais pas utiliser le jetpack, moi je vais faire un truc un peu technologique. Merde, quand si jamais t'es dans l'espace, c'est pour ça. Enfin, normalement, tout le moins. Allez, hop. Allez, mettez-vous de la bonne couleur, bande de saloperies, de trucs de merde. Bon, bah je fais quoi moi du coup? Est-ce que je peux. Ouais, peut-être éventuellement. Quoique non, c'est peut-être pas de. Peut-être même pas la peine ça. Si jamais je regarde. Attends, je vais tester un truc. Tu vas te mettre de la même couleur que le reste, toi, saloperie de merde. Alors, on va tenter un truc. Je garantis pas que ça va marcher, évidemment, si Space Engineer, il y a des fois, faut pas déconner, hein. Là. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire des rampes?
Escalier ou rampe simple? Ah, ça c'est la grande question que je me pose. Façon, il me faut des plaquages d'intérieur. L'un comme l'autre, de toute façon, je suis baisé. Oh putain, mais. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça que c'est censé se faire. Putain, mais qu'est-ce que. Ouais, c'est plutôt comme ça que c'est censé se faire. Bon, alors il me faut quoi? Des plaquages d'intérieur et des compressions de construction. Et bah, va pour ça. Vu qu'a priori, j'ai pour moyen de faire un truc un peu soit plus original, on va faire un truc pas original du tout, hein. Écoutez, au moment, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre choix. Hop. Là, tu viens là, toi. Alors, les plaquages d'intérieur. On va s'en prendre 200. On va s'en prendre des comme ça. Hop. Et donc, on va essayer. Ça, au moins, je suis sûr que pour le coup, c'est pas bugué. Enfin, quoique. On n'est jamais sûr de rien. Il est où mon trou? Il est là. Et ça, alors oui, j'aimerais aussi savoir pourquoi est-ce que là, je sais pas, il y a des espèces de boss. N'est pas censé y avoir de boss normalement. Je suis sur un truc plat, les boss n'existent pas. Merde. Ah, mais. On en a marre, moi. Après, on dit que je suis gros lion. Oui, bah c'est pas étonnant, non? Ah là, je veux qu'on est pas aidé. Ta mère. Là. Voilà, moi je veux pouvoir. Bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas de générateur de gravité, c'est pour ça. J'en mettrai, hein, vous inquiétez pas, j'en mettrai. Voilà, donc comme je le disais, j'aimerais pouvoir descendre en toute impunité. Et évidemment, je n'ai pas gardé de plaquage d'acier, de plaque d'acier, merde. Voilà. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre, ce jeu, j'ai envie de le rage-quit, j'ai envie d'aller voir les développeurs, de leur mettre un flingue sous le nez, de leur dire d'optimiser tout ce merdier! Malheureusement, je peux pas, sinon j'irai en taule. La vie est mal faite quand même. Bon. Ah, quand on y pense, la vie elle est mal faite, hein. Ça, croyez-moi que. Si jamais j'en avais le droit. Mais oh là 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 là. Ah, je peux vous jurer que les développeurs de Space Engineer, mais chieraient dans leur froc, hein. Rien qu'à entendre mon nom. Mais je te jure que. Ah, mais ils en auraient mal au bide, hein. Ils prendraient des congés maladés rien qu'en m'entendant, quoi. Enfin, rien qu'en entendant mon nom, tout le moins. Hop. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Bah parce que ils savent très bien ce que je vais leur faire. Ah, croyez-moi que le jour où je croise un des développeurs de Space Engineer, je lui sers même pas la main. Je lui dis, vas-y, optimise-moi le multi. Après, je serai peut-être ton pote. Mais en attendant, c'est pas le cas. C'est vrai. Écoutez, peut pas. Voilà. À un moment, voilà quoi. Je passe là ou pas? A priori oui, bon c'est parfait. Ok, donc ce qu'on va faire, on va absolument tout recouvrir ici, de façon à pouvoir pressuriser tout de même toute la salle. Et j'ai besoin d'encore plus de plaques d'acier. Tu m'emmerdes avec les plaques d'acier, toi t'es au courant de ça? Ah, donne-moi des plaques d'acier. Mais non, mais je suis con, moi. Vas-y, donne-moi des plaques d'acier, je construis un bloc à côté. En douille. Je vous jure que c'est pas avec moi qu'on a gagné la guerre. Bref. Tu m'en poses un ici. Et tu me reposes une rampe. De ce côté-là. Et il me faut des composants de construction. Bon, parfait. Alors, les composants de construction et les plaques d'acier. Tout ceci prendra forme. Un jour, les amis. Un jour, ça prendra forme. Sachez-le. Ce jour n'est malheureusement pas encore arrivé. Enfin, pas à l'heure actuelle, du moins. Alors, on va s'en prendre une centaine.
Des composants en construction. Vas-y, prends-moi tout ce que tu peux. Une centaine, c'est... Ouais, peut-être pas besoin d'en prendre autant non plus. Hein. Hop, voilà, prends-moi le reste. L'inventaire. Le programme d'inventaire, tu m'exécutes et au passage, tout à l'heure, le bruit de la raffinerie m'emmerdait, mais là, tu peux la remettre en marche. Voilà, amuse-toi. Alors. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Un mining transport, bon, il me fera rien celui-là. Je sais qu'il est là depuis un petit moment, mais je n'ai pas regardé encore ce que c'était. Donc. Voilà qui est fait. Alors. Déjà construire ça. Quelque chose me dit qu'il va encore falloir que j'aille chercher le plectacier, je sais pas pourquoi. Hop, ça c'est fait. Ce côté-là maintenant. Tac, 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 tac. Tiens, qu'est-ce que je disais? Ouais, vous me dites que je suis pas un devin, je m'en rapproche quand même, hein. Des plaques d'acier, des plaques d'acier, des plaques d'acier, des plaques d'acier. Plaques à chier, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà, donne-moi autant que tu peux. Toi, tu viens. Là. 200, ce sera peut-être pas suffisant. Mais bon, on verra bien. Alors vous inquiétez pas, hein, quand il y aura un générateur de gravité, je me baladerai en étant droit. Pour le moment, c'est pas le cas, je sais, j'en suis navré. Que voulez-vous, il y a des jours comme ça. Ou pourquoi est-ce que ça veut pas se... Heureusement que tout est de même couleur ici. Là. Ah, c'est pas vrai ça. Tous essayaient de me faire chier dans ce pays, décidément. Voilà, toi. Tu me remplaces ceci par cela. De façon à ce que je puisse passer un peu plus facilement quand même, on va pas se mentir. Toi, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi t'es pas de la même couleur que le reste? Non? Parfait. Hop. Alors, la suite. Voilà. Tac tac tac. Je pense qu'il m'en faudrait un de plus. Voilà. Alors là, je suis sûr que j'aurai pas assez de plaques d'acier. Ah, ça, j'ai posé les blocs, ils sont de la même couleur. Hein. Si jamais j'essaye, vous pouvez voir que la couleur se change toute seule. Mais non! Non, pourquoi faire la même couleur de suite, hein? Quand je vous dis qu'il est con ce jeu, c'est pas pour rien. Ah, galère. Bon, en tout cas, ça prend forme. J'aurais pas rien fait dans cet épisode. J'en aurais pas fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir fait. Sachez-le. Hop. Voilà. Bouffe-toi, Lucibrus. Ah, prends-en beaucoup. Suffira probablement pour, mais bon. Allez, avance! Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous, quand même, les persos ne veulent pas avancer lors des portes. Ah, mais oh! Finis de me faire chier, oui! Pas vrai, ça! Oh.
Hop. Parfait. Maintenant, tu mets toute la même couleur, comme si tu pouvais pas le faire au départ, hein? Saloperie de merde. Toi, t'es pas construit, on se demande pourquoi. Voilà, merci. Non, mais c'est quoi ça, toi aussi, là, tu te construis. Hop, hop, hop. Allez, au boulot, là. Monde de feignasse pas tenté. Allez, hop, on se dépêche. Pas que ça à foutre, moi. Bon. Donc là, ça va me permettre de descendre au sous-sol, là où il y aura toutes les machineries, du genre raffinerie, assembleur et tout le merdier qui va avec. Alors je me souviens que j'ai répondu à un commentaire pourquoi ne pas faire un faux plat, un faux sol. Alors je lui ai dit alors pourquoi faire un faux sol quand on peut en faire un vrai? Et il s'avère que ben voilà. Finalement, il n'y aura pas de sol du tout pour descendre. C'est malheureux, mais moi qui voulais faire ça avec un piston en mode comme il faut, quoi, bien, tu vois. Et bah il s'avère que bah, je me suis fait baiser. Voilà, ce sont des choses qui arrivent aux ingénieurs qui veulent bien faire, finalement, hein, et qui se font bah, littéralement baiser. Quoi qu'on dise, c'est malheureux, mais on peut rien faire de plus. Donc bon, ça c'est fait déjà. Hop, c'est pas mal. Hop. Alors, je mets pas la machinerie tout de suite parce que avant d'y mettre une quelconque machinerie, je veux déjà construire un gros réacteur nucléaire. C'est d'ailleurs pour ça que depuis tout ce temps, je me fais chier à faire cuire des milliards de tonnes d'uranium. Hop, parce que là, niveau uranium, vous pouvez voir que là, j'ai quasiment une tonne dans le grand réacteur. 341 kilos par-ci, 34 kilos par-là. La raffinerie qui est encore 19 tonnes à cuire, vous voyez 429 kilos, 35 kilos, truc comme ça. Sachant que, bien évidemment, dans celui-là, j'en ai encore 338 tonnes à cuire. Sachant qu'à l'origine, vous rappelez-vous que j'en avais ramené 520 tonnes. Donc là, niveau raffinerie, c'est plutôt pas mal pour faire de l'uranium. Moi, je dis que là, c'est plutôt sympatoche. Alors, donc, maintenant, on va s'y faire une porte. Voilà. Tu la mets ici, admettons. Alors, plaque d'acier, il m'en faut 20, il me faut 15 vitres pare-balles. Vitres pare-balles. Donc, on a dit une quinzaine. Il faut hop, une vingtaine de moteurs. Je suppose qu'il faut une cinquantaine de ces trucs-là. Hop, avec bien évidemment des ordinateurs, histoire de. Des grilles métalliques, il m'en faudra bien un peu. Non, pas de grille métallique. Affichage et petit tube d'acier. Là, saloperie. Affichage. Affichage, je sais plus combien il m'en faut. On va dire 5. Et donc, petit tube d'acier, on va m'en dire qu'il m'en faut une vingtaine, à peu près. Normalement, j'ai tout, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Là, tu te mets comme ça. Parfait. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est juste que je mette un bloc ici. Pourra même faire un peu de déco. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à m'énerver dans cet épisode, il faut que je me calme. Et comment je me calme? Bah, en faisant un peu de déco. Voilà, ceci est de la déco. Ceci est de l'art, chers amis. C'est pas vraiment vrai, je vous l'accorde, mais bon. Au moins, ça fait un peu plus stylé, quoi qu'on en dise. Bon, et bah, chers amis, cet épisode de Space Engineer va s'arrêter là. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis toujours ouvert à toutes les suggestions, sachez-le. Hop, moi, en tout cas, ce truc-là, je vais l'éteindre parce qu'il me sert absolument à rien, à part à me consommer inutilement de l'uranium. Hop. Donc voilà, moi j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine!